Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na bino Christian Bola bien maman ba peuple mokozi peuple souverain. Toye pona ko yebisa bino makambo oyeza kolega na mboka, tozali ba sinzili na bino, tozali batu oyo to signa contrat social na peuple congolais. Donc tozali dans na diaspora, lobi to ko ya na mboka puisque mboka ezali ko ozala libéré et to ko sala misala ya mboka, to ko sala misala buso en tant que ba syndicat ya peuple. Et to bandiamo na libanda et donc to bandiamo libanda donc à travers les cinq continents bandeko ai ezali esengo ya ko kutana bino devant etando eke ezali pe pasi pona koyebisa bino makambo oyo ezali ko mape na monoko na ngai parce que makambo chouchou ezali ko déranger quand même moral makambo chouchou ezali ko déranger logique makambo chouchou ezali ko déranger conscience d'un peuple et malheureusement, le problème est à la bichoté. Bichoté, tout ça, c'est subir nandengi moko na bino. Parce que, ba dongolo miso bazali. Nambo kana biso. Et parmi ba dongolo miso, ba ndeko na biso bazali na kati. Et raison pour laquelle, yon moni, tout ça, obligé, tout ça, la ba vidéo, oyeli, ba message, pour na kolam sa peuple, ba message, pour na peuple à comprendre qu'est-ce qu'il y en a au juste. Puisque, toujours, message. Ndeko depuis États-Unis d'Amérique na Boston pour ne pas citer son nom a komelinga bindeko na ndaba vidéo na omingi mais naza na confusion parce que nazo na ndaba vidéo na yo na sepelaka na ba réflexion na yo mais ngai vision na ngai boy mais nazo mona ba leader na biso neti baza ko yo kanate par rapport à vision o ya lobi boy je ne cite pas donc j'étais le nom na autant ba kombo ba toana te yemo kwa yebinde na za ko lo ba za ko landanga puisque abi alandaka pengai et position na ngeza nini mais alandaka ba video na ngai na yebise nga binde ko position na ngeza li eza na kacha ba video oyo yo landaka donc na moni loko musunga na wolo ba ezate donc position na ngai nyo seza contenu wana donc pour vous dire que bato baza kolanda biso et tant tozali awa tozo sa aventure ti tant tozali awa tozo lo makambo ezali ya solo o eza ko bima pena ba place songolo pakala yango tozo pesa ngo peuple et ezape mususu ezali ba réflexion na biso pe personnel par rapport à expérience pe tozo nango puisque tozo chola pe na batu pe oyo ba lekaki na banzela ona tozo ko tanga pe et puis au peu biso mo peut vivre na terrain do yango moni toujours ça la score OK to pesa bino le maximum d'informations et le meilleur même donc na yango lelo toyé na dossier misatu dossier liboso ezali récusation et Demkojo bon moni dialogue ning ça mais nous parlons de la récusation de Demkojo par le patriarche Etienne Tshisekedi batu ba beti maboko batu ba siki mais batu ba moni yango lelo kwa sikeza lelo kwa sikate ba ndeko na ngai donc yango tout expliquer bino ezali dossier ya sikate nga nazali mwana ya UDPS nga nazali parlementaire debout combattant parlementaire debout ya UDPS et je vous dis dossier wana botu na ba ancien ya UDPS ya année 90 par là et surtout 94-15 au bazalek na période de 94-15 na zolo ba makambo ezuti wana place biso to déjà 90 11 12 na I2PES déjà toyo qui déjà comme il y a Demkojo puisque Demkojo c'est quand même une grande personnalité ya Togo azali parmi ba grande personnalité ya mboka wana o ba yebani makasi et puis oyo ba marqué histoire politique ya mboka wana donc on a ndenga malamu pe na ndenga mabe. Et puis il a été aussi dans l'institution internationale, la Banque mondiale, je pense. Il a assumé des hautes fonctions à niveau international, mais à niveau côté financier. Donc c'est une grande personnalité quand même. Mais Azali Kosala Baventure, Azali Baventure Mingi, d'où Ayebani Azali plébiscité à niveau ya Mboka na Bango, à niveau ya sous-région na Bango, et puis à niveau ya Afrique, ya Omoni, donc à Union africaine et Tindakiye. Donc azali plébiscité na ndenge ya mabe bamba monier na ndenga malamu batu o baza ba spécialiste ya ko bebisa ba processus démocratique ya batu baza ba spécialiste à la matière aimdeni ba trichaka ndeni ba vansaka
président de la République, puisque à Salamou na mboka na ye. Et biso déjà ba 90 déjà na ye deux personnes va parler biso na Togo, schéma ya Togo au Mobutu na ba Ngwanda, ba Mokolo wa Pombo, ba Atundu, ba Kemalilo, donc na feu cette ya les Batouana na ba Batou exactement ba renseignement non. Donc na préciser. Donc na clique à Mobutu pour ne pas couper sa importance renseignement. Puisque ça peut être monté dans le monde, des ordres, le Rwandais, côté de l'Ebusso. Donc, c'est-à-dire, nous avons appuyé dans le renseignement parce que j'en sais quelque chose. Mais, donc, mon bout, na clic, na e, ba visa qui aussi, c'est Pela qui. Le président africain, il y a une démocratisation. Bon, je vais vous donner cet exemple. Il y a une conférence nationale. Bene Simbi. Congo Braza et Bandaki et Simbi, Nasuka et Simbi Toloba. Il y a une conférence nationale. Mais bah yo bébé ça m'a donné autant où élection salami ben si je vais venir bah yo au Bomango Congo Kinshasa manœuvre bambo que belé échoué donc ça dit bazali na bateau ba plébiscita neti leloyo na Gabon nenge Ali Bongo a se maintenu au pouvoir et boyé bien déclaration salama qui déjà nana nina Paul Biya sepela qui a za otal makambu ya Gabon nenge ko le kaka. Donc, Bazali est attentif dans le bloc. Il a se maintenir. Idriss Déby a se maintenir. D'où, et petit espoir, Kourouziz a se maintenir. Et petit espoir dans le dictateur africain. Donc, la démocratisation va processus. Bien que déjà, il s'enclenche qui n'a qu'à dire. Donc, pour la baron, il y a un bon makayango. Et, nani, donc, Paul Biya, Azali, côte à côte, na Gabon. Donc, Azali, il y a un loupe. Puisque, il y a un masolona, donc, donc Ali Bongo a retenu d'abord expert et paya Paul Biya aux abattoirs au bas tricheléléé. Donc ça dit ça se passe comme ça en Afrique. De base avec Obama nan moi quoi amorcer c'était et Adema avec Kojo en Afrique. D'où et Adema comme le roi modèle le quoi la spécialiste alors que na Bénin bah le quoi bah Nicéphore Soglo bah s'est distingué dans le bien et boy bah qui ti a sisi mandat naie mandé yokoya élection à comme qui gouverneur ya Cotonou le col a gouverné ya ville à Kinshasa donc à président de la république n'a pas élection et qu'il a s'impliquer parti n'a ending ba vous et salam qui banini donc à personne la présence mais à comme qui maire ya Cotonou donc ça dit gouverneur n'est ya ville à Kinshasa et ça exemple moko ba modèle en Afrique mais ba ta bongo ba ko ko sa bongo ba circuit wanati. Puisque il y a un éclairage pour la Bongsambour, Bongsambour, donc c'est pour vous dire que c'est un ancien dossier. Oh, ok, papa Tshisekedi n'a fait que déterrer à Bimiseli Bisso, à l'obi, je le récuse. Et nous le récusons. Parce que, aïe billet, pourquoi? Parce que Mobutu, na 94, tant que Mwadono, a Yibi Bisso Bokondi, na conférence nationale souveraine, Babimisi acte il y a transition puisque tu as une des textes au fond de comme acte il y a transition il y a du 9 avril 94 Babimisi veut mikanda il y a organe au babenga CNE donc commission nationale indépendante des élections donc il y a qui dirigé par feu professeur Bayona Bameya adjoint il y a qui assistant na chef des travaux na toujours bon on balé bazaba pénaliste ba yo nazali professeur papa Chimanga donc monsieur Chimanga ye mtazalai ki comme adjoint ya Bayona et avant papa Chimanga azala ye ki professeur Nzongola o yazalai ki donc un acteur ya société civile a outaga États-Unis d'Amérique professeur Nzongola ba yo namdalai président professeur Nzongola azalai ki vice. Nde siko pose zongo la tango ayeko kendi na ye, bayoko tia siko nani, bayoko tia siko yo Bayona, nani Chimanga. Donc papa Bayona, donc pose Bayona, juika ka moutu na ye bazarane na faculté a présenté ba promouvoir ye. Place nde dossier beba ki déjà na niveau institution ya CNE. Donc déjà voilà, eloko oyo tongoto lo bayangwana, eloko wana eza très important, il faut batba ye bayango, parce que présent CNI avec qui monte mouvance deuxième avec qui score monte opposition c'était le professeur Nzongola professeur assez distingué qui vraiment lors il y a bah travaux et conférence nationale souveraine c'est un Congolais donc à Zalaka aux États-Unis d'Amérique
Donc voilà un peu makam ndenge zalaki ndenge wana d'où biso siko na i de pesta comme est-ce que ba maponami et koyaka et d'où bango siko mouvance présidentielle na tricherie na bango bazo parler biso déjà na na schéma ya Togo parce que Togo qui edem kojo avance déjà et ya dema na système ba sala ekuna siko yo mouvance présidentielle ba journée ko ezo ko mama biso pe na terrain bazo ebisa biso donc bani ko se préparer ce contre le schéma au bango même la biso ya Togo c'est là où moi j'ai appris donc je me suis intéressé na mutu ba bengi edem kojo. Donc voilà un peu donc papa Tshisekedi tango lobi kojo c'est pas l'affaire qui date d'aujourd'hui, c'est un dossier ancien, une affaire ancienne que lui maîtrise a yebi batuana ba ngaba sa biso kuna il y a 20 ans déjà plus de 20 ans plus tôt dans la 94 95 ans balayé ko s'est préparé na ma ponami mais balingé ko sala ngote ti afdeleye ndenge mukuka ka tuza schéma o alelo bazo bimisa ba mikanda ya seni ya babouinet bazo s'est préparé pour na ma ponami mais bazali wana ti bomo bentation na bongi bimina dialogue. Donc voilà edem kojo place to yebaki e batu oyo bazali na dossier wana mingi en dehors ya ba politiciens mususu ya clique mobutu to kotangela bino bato yo bazali ya renseignement o bazola balimba la tsebiso ke donc renseignement de mutu e simbaki mboka renseignement de mutu so renseignement zati mboka kufi donc me batu wana ba ils ont failli na ba mission na bango na période ya mobutu to kotangela bino mutu lokola donc nani honoré Ngwanda mais arrive na konzi na yepe liboso puisque yé a commis patron ya renseignement quand et avant yé batu bazalaki et après yé batu bazalaki donc ça dit yé azali ko quoi azali ko patron ya renseignement quand mais blélo bangba la ksa batu ke neti yé mutu azalaki renseignement ya mobutu to mobutu abandi a eu pouvoir donc ya Ngwanda. Or c'est quelqu'un qui était donc il a gravi quand même des échelons mais donc à un moment Azalaki n'a qu'à te renseignement mais il n'était pas responsable bah responsable Azalaki étant payé a commis responsable et payé a eu tika payé en gros donc batu oyo bah bimise bisho kojo lelo et commis tika nambe bah c'est saisi na kojo c'est un dossier UDPC est bien haut, donc il n'y a sacré Bakiango, UDPC est bien haut, puisqu'il n'y a sacré Koufa, UDPC est bien haut, et de l'autre côté, mouvance présidentielle est Bakiango. Et bah, teneur mouvance présidentielle, mingi lelo bazali na zinga zinga na Kabila. Et bah, on va basali ba teki mèche. Donc, si vous voulez vous maintenir, il y a trop de difficultés, il faut que ben a que ça la bosole na Union africaine, tout ça. Alors, Union africaine peut, Zuma, Azan a besoin. Donc relation il y a ça dans mon piège ça na comment il s'est maintenu donc parce que là moi c'est naïf pour na bas ça là et le quoi na ne va tenir sur Kojo mais dossier où tu as pis dossier et où tu s'il vous plaît dossier na biso donc et où tu as pis s'il vous plaît dossier il y a Kojo pardon et où tu na ancien dignitaire il y a Mobutu entre guillemets au bas ça là qui ni bas ça là qui renseignement donc tu retiens le bino Mokolo Apombo. Donc Mokolo Apombo za na kati nani oyo atundu za na kati Nkema Lilo za na kati bazé belé wana na ba généraux mususu pe ya Mobutu bakota kuna et na libanda sikoyo muto batike libiso pio na bon libanda dérangera diaspora donc pona a désorienté biso donc c'est honoré Ngwanda tant a fait bino dossier Mokolo Apombo, plan Mokolo Apombo. Parmi na plan Mokolo Apombo, il y avait des sous-questions, des sous-titres. Un des sous-titres était donc projet Kojo. Comment glisser, comment maintenir Kanambe na pouvoir. Bakbalaxi Kanambe mayele ya tricherie à tout mais na pouvoir. Ils allaient battre paix. Ils allaient battre paix. Ils allaient battre paix à régime au bazar na Mobutu. Donc au bandeau n'anges ils allaient passer mingi. Et batouana mtu basali masolo wana ponake kojo aya et Mobutu azalaki mayele azali toujours ko se protéger biso to na UDPS to yebi masolo wana biso to landaka nani oyo Lagda Brahimi azali représentant ya secrétaire général ya Nations Unies lelo kota bazi mais ayaka na Congo biso to landaka et to bambake ba mabanga na boulevard na bureau ACR Ayaka nini Lagda Brahimi d'abord 90
Donc 93, 92, 13 ou même 14 par là. Non, 13, 14. La Baï Brahimi. Ayaka pour na kofan sa mobout na pouvoir, puisqu'il y avait encore crise dans ma moment. Là. Et en fait, début 90. Donc mobout wa sal ranini, azala ki moutou soit à mon politique na baby, boué boué, a ko créé situation mo boué, il faut bien sa battu yaba organisation na libanda. Oni, Union africaine, ba boué boué, Union européenne, pour batoua ba yaba zo ben o troïka. Ba ya, batoua ta ba roya siko yo, na bino, Bosali Masolo, Siko Ezali, sous l'égide, il y a ONU, sous l'égide à Boué Boué, et il y a du pouvoir pépélé donc, ba garantie et salami. Et voilà, nous avons été coopérés. Nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés avec la Dra Brahimi. Et nous avons été coopérés. Bien sûr, le lobe a tout qui kojo kojo, mais il y a plus de 20 ans. Na y de pèse, mon papa tisse que kojo, donc a lobby en mode dossier ne wouté ki wapi na, batu oyo ya soi-disant, bata renseignement ya Congo ya Kala, bazali le lobe zingi kanambe, donc moko na bongo azaraba tike azarali banda kotoyo, ba yokana ye kotoyo, a kanga diaspora, puisque diaspora za moto neti ya sa banda, a kanga diaspora, a dérangera diaspora. Mais les mamming ya yo na fuite yo na yeba ki bo ezo uta kana ba batu na bangwana kana me pa yebiango et ba lo tourner bisho ka kambourique comme ça ya zo bimisaneti ba mona ki danger pona akanga sko yo population du banda population ba mona e meilleur alors que azala ki na pouvoir tabali na pouvoir pe ba sala ki logo mokote et afidel ayaki abengana ki bango et à Bengana, il y a une complicité, une trahison, il y a un groupe de renseignement entre guillemets. Donc c'était un point très important pour Toyib Sabino. Et le lot, on va parler sous notre deuxième dossier, il y a Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu, on va parler de pourquoi. Puisque c'est quelqu'un qui a fait des ordres dans Mboka. Il y a un kangaye, non, il y a un à côté de la prison. Kanambe abimisiye a dessein de baloba, abimisiye intentionnellement. Alors, mouta bomonde azali moutu fois amado condamné à mort. Mais abimisiye et bomonipe, ye mouko pa trahi intime conviction na ye Gédéon Kyungu a lati tricot na elongi ya Kanambe et akoum kosa ba discours pro Kanambe, pro régime wana. Donc, engi koloba nini bande konangaye. Réponse nanga na zoko pe sa siko ezali. L'une des caractéristiques, il y a régime Yamabe. Et tout le temps, il y a une vidéo sur l'institution politique du Congo. Des explorations na 60. Donc, tout ça, on s'est préparé pour la Première République, Deuxième République, Transition démocratique, Troisième République. Avec des détails na 4. Donc, bande qu'on a eu. Tant que comme il a été indépendant du Congo, tu expliquais qu'il bino, bah ben on propriété privée, de fait et puis des droits, tu expliquais qu'il y a quoi. Et n'importe propriété privée ouana. Et ni kolobanini, roi a zaï ko agi selon son bon sens. Le loi la la mukilobi a zumi kano boy. Le loi la la mukilobi a zumi kano. Mais a zaï ko s'est servi na quelques textes, textes mots de base a zaï ko zala. Bah textes mots de base a zaï ko zala. Moi bah écrit de base a zala qui mais ming a zaï qui oh yé moi a zaï ko bimisa. Le loi lobby boy, le lobby boy, etc. Donc, il y a quoi agir de moi là. Donc, ça dit, tant que tu lobby, c'est sur la politique du Congo, nous avons dénombré la technique, la méthodologie, ou peut-être aujourd'hui, donc tu pousses le raisonnement plus loin, donc tu dénombres na 3 ou 4. Tu as une institution politique du Congo, bien sûr, mais dans le cadre, il y a Mboka, donc Congo, institution politique nationale, et puis transnationale, et puis. Supranational et puis mon chouchou tout robe un peu mixte donc 3 ou 4 national, transnational, supranational et puis mixte donc na national sikoyo na kata institution nationale ezali na ba institution politique donc institution administrative et institution judiciaire et puis donc ba institution wana nyo chouchou ok na transnational. Ils ont toujours selon que le président a un engagement dans Libanda, mais ils ont toujours par rapport à la conception et la politique de l'Ibanda, donc moniste. Et puis, au niveau aussi supranational, etc., ils ont joué toujours
les mêmes institutions. Donc, il y a eu Mikano Kuna, il fait zonga na mboka et il retombe toujours dans les institutions politiques, administratives et puis judiciaires. Donc, c'est-à-dire, président de la République, bah, gouverneur, Bazali, Batou, Beng Bango, donc député, Beng Bango, donc Beng Bango, autorité, donc Bazali, donc institution politique. Et Bazako est dicté, donc Bazo bimisa Mikano. Mikano, on a bien en bas norme. Bas norme, on a dit en gros, il est exécutif à lobby, à suite décision sur base. Il y a un dingue à créer les décisions. On a à suite décision et décision sur le côté et qui est-ce qu'on a une institution administrative ou une administration pour là-bas appliquer en gros. Sauf bas problème, il y a l'isco bas au Kenya, puis bas quand on a bas tribunaux, bas bien des institutions judiciaires. Donc, si quoi est aujourd'hui, si quoi est Naka y a été indépendant du Congo, en dehors, Naka y a une institution nationale, donc il y en a trois grandes institutions, tout le monde politique, administrative et puis judiciaire. Et la politique, il y avait des institutions politiques étatiques, au moins l'État n'est pas roi, l'alia l'amou qui a créé, étatique, et puis des institutions politiques para-étatiques. Et nous, tout ça, c'est une décision, application, dans tous les administrations, etc. Ce qui peut être contesté, pour qu'il y ait un tribunal, ou bien institution où vous discuter, contredit, ou bien population, surtout, pour opposant, pour qu'il y ait un judiciaire. Donc, dans le cadre d'une institution nationale, tu as une nationale étatique. Nationale étatique, si vous avez un exemple, vous avez créé, si vous avez un roi, un mikan, un bike, ma belle, nous sommes au Congo, vous avez une propriété, il y a un clan, un tribunal, nous sommes comme une propriété privée. Si vous avez un appliquant, nous sommes au niveau administratif. Au niveau administratif, si vous avez un cadastre, l'administration, si vous avez un foncier, si vous avez un cadastre, si vous avez un cadastre, il y a une famille, il y a un cadastre, 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 il y a un cadastre. Donc voilà, donc c'est-à-dire, si quoi, on a pris exemple, il y a une institution politique, c'est l'exécutif. Donc c'est-à-dire, quand on parle de l'exécutif, tout le temps, on a un premier ministre, et après, le premier ministre a toujours le pouvoir dans le président de la République. Donc, il y a un pouvoir discrétionnaire, il y a un nommé premier ministre dans le système où il y a un système. Tout ce qui est, le président de la République a un mécano. Na ba konzimususu o pe bazana pouvoir wana bazo misaba mikano na période était indépendant du Congo ya lagisko yo roi azo diriger Congo sur la carte azara na Belgique mais il y avait donc gouverneur général spécial azali na Boma et puis ba gouverneur mushu ba na ba province général to pe sa mikano au représenter roi d'où mibeko ezako kitesko na administration bazako appliquer au ti na peuple. Mais ce qu'on a dans l'institution, c'est l'institution Zali, Mikano Oyo, et Zali, Biloko Oyo, Nzamba Salité, mais Batoua Mouki Moutba Sali. Donc, l'institution Zali, Biloko, c'est la création humaine. Mais est-ce que la création humaine, nous sommes tous les temps, on a cours, enfin, dans le cadre, il y a une institution politique vraiment, il y a beaucoup. Tu le dis, non, tu le dis, oui. Mais classiquement, Zali, non. Tu le dis, l'institution dans le lobby politique, administratif, judiciaire. Mais ce qu'on a cas, pour la tozana cas moko spécial, ben il suis généris, il est indépendant du Congo, et ça se calquer na état Oya Kabila. Il y a na zokota mo mkena mozino na kawana, d'où sikoyo ngai na démonstration na salaki dont na est indépendant du Congo, na zoaki ba bengaki institution politique para-étatique. Para-étatique ezali Oyo ezali à peu près dans l'État, et ça n'est pas l'État Ndimi, et c'est le Moussala. Au l'État Ndimi, l'État Moutou, Ndimi, Bango Bazala, Bassala, Misala, Bango Bazala, Bassala, Misala, ou Yako, Yako, Sala, Bango Bazala. Dans l'institution pareille étatique, toujours dit, dans l'époque où il y avait des missionnaires, l'église catholique, pour nous faire ça, Batou, pour créer une nation, pour nous faire ça, Misala, Boué, côté hôpitaux, les proséries, c'est. Et pareil étatique nous disons ça donc elle est une institution pareil étatique d'autres aussi mais église bon ça va mis ça là on a donc ça dit n'a pas pareil elle est donc parallèle dans l'État donc et elle est donc proche dans l'État donc l'État pas dimi et va dans un beau canaille et ça la mis ça là donc puisque les amis bah on s'en mis ça là naïe et surtout que si quoi bah Bengamo était indépendant du Congo bien sûr mais la première partie ils allaient qui n'est libre échange pardon libre échange ils allaient donc kita oba mona ikola babi ba pays mindele ya mindele to ba kabola mboka Afrique babi non na Congo na basse en Congo donc
libre échange bisou nous tout royal ça la commerce donc voilà mutamtu donc assez débrouillé ko bana 1885 ti na 1890 roi andimaki et puis ayé ko ça la décret secret na 1890 ndesiko ayé ko boya asali décret baninga ba yebité neta ko mena pouvoir makasi baninga ba yebité tindi capitaine tise a kede côté be kwate na kisangani pour la magamba ivoire donc a pesa ba ordre ya sika na terrain makamba ko mi ko changer ba gens de l'état na terrain ba ko appliquer ba ordre ya roi et surtout ivoire y a une importance makasi te comme est-ce que makamba caoutchouc donc il faut récolter caoutchouc d'où il y a un monde ba ko mi ko kata ba ko ko na suma boko par rapport ya récolte ya caoutchouc puisque décret secret bi maiki ordonne donc décret secret donc agir en secret à ces blogs moko batu ba yebakite à salon en cachette sikoyo boy boy donc misala wana sikoyo mitine de pesami na terrain a bengani baninga na ye était tikali ya ye moko de 1890 na 1908 donc voilà un peu et puis na kati wana sikoyo comme est-ce que deux parties deux structures structure moko ba bengi donc région donc il y a bah concessionnaire bah concession minière à piscine bah société ming ils allaient payer mon gaz actionnaire ou bah proche naie et puis partie nous soit bien au domaine de la couronne il y a ming côté à bah forêt d'où nakachuana ce qu'il y a bah micro état autour bien là donc domaine bah concessionnaire là domaine de la couronne mais ils allaient toujours contrôler naie donc bande konangai voilà un peu si quoi nakachuana ce qu'ils ont violence structurée. Donc, il y a l'État qui a été en 1890, comme ma propriété privée proprement dite, puisque le Bosso, partie du Bosso 1885-1890, propriété privée de fait. Des droits, mais bandits, na sewana, bandits, on a eu place, on a eu génocide et bimay na Congo. Violence structurée, donc, bah, structurée, ou banda boue, bo, pour la base, on va récolter, donc, si on a sali, beaucoup bête à fumer, si on a sali, beaucoup quitter, il faut. Donc violence est structurée. Donc il y a l'État andimi yango. Ndenge bo moni président français François Hollande a sali à l'obé on a tribune ya Nations Unies par rapport ya ba violence et ça na Congo na septembre lors ba marche ya ba ndeko na biso ba Bomaki nande ba tumbi ba permanence ya ba parti politique Albi c'est l'État congolais qui a organisé cette violence ou ces violences c'est l'État lui-même. Donc, il y a eu en 1890 sous l'État indépendant du Congo. Donc, on a revenu à ce qu'on a fait pour que l'on a dit que donc, l'État indépendant du Congo, l'État où il y a un mais il y a un sur le plan scientifique, il y a fonctionnement, donc organisation et fonctionnement, c'est pareil. Il y a eu un rebelle, un mercenaire, pardon, côté au pays, il y a eu un mercenaire. Il y a eu un Tanzanien, un Boué, un Congo, un mercenaire. Donc voilà un peu. Et puis les lois, il y a Gédéon Kungu, un sanguinaire, génocidaire, qui a abimisié. Abimisié pour dire que c'est un moussala où il y a l'État, il a représenté l'État quand même, entre guillemets, assez lango, les lois, Mikolo Koyaka. Donc il y a un État indépendant du Congo. Donc à agir pour que. Gédéon wana aya ko nuire na population congolaise donc na Katanga. Donc ça dire ezali violence structurée. Bomo na beninde ba ro bomabatu, ezali violence structurée. Ezali na kati ya Paris ya l'état na yé moko andimi yango et mindele à la personne de François Hollande a beneli piololo na monde entier devant tribune ya Nations Unies. Ba violence et salama ki ezali yé moko. Et l'État y est beaucoup plus organisé en permanence. CPIP, qu'est-ce enquête, bah l'UPK, ezali bango moko. Donc voilà, y a un moment où on a pu mettre donc bah bien on y ezali institution politique para-étatique. Donc Kungu, j'ai donc Kungu fait partie y a bah institution politique para-étatique. Tout ça là qui en gros, le développement était indépendant du Congo. Tant que nous avons la succession, tout que le Congo belge, pareil, étatique et disparaître. Tout le Banasco était Congo indépendant avec différentes républiques, la transition de différentes républiques, donc Bourmona, et qu'on apparaître quelque part. Puisque
pouvoir tant que monnaie est coincée, alinga ça la bêtise naie, alinga se maintenir, ça la recours na para étatique, alors ça recours na violence structurée, na période au bout tu peux tout ce temps y a un autre monde, un autre relaxabino. Donc normalement, classiquement, donc donc on a doctrine trop tant que ben institution politique administrative a subi ni nyoswa na kimu ndenga bimi wana ba bimisier na président république institution politique a créé norme andimi a lobi boye et logo boye ba bimisa do ba bimisi kimu si ko exécution non c'est l'administration azaka ko subi azaka ko sala na ye azaka ndima oyo exécutif a bimisi ye a exécuter. Mais maintenant, est-ce que Moutou Nini ou la situation Nini ou Bazali contre, n'est-ce pas, donc ordonnance, il y a grâce ou Bimisi, je pense que c'est grâce ou Bimisi Gédéon. Donc il ne faut pas contester, soit pas contester aucune institution judiciaire. Donc pour vous dire que l'État Yamabe a recours à toujours dans l'institution para-étatique. Mais dans la doctrine classiquement, bah si t'as trois institutions en un mais para les autres institutions nous faisons rappeler mais ni oh l'État pas utilisé donc oh y a un gros money busso toujours tant à ce que pareil étatique et ça mais kuna donc kungu j'ai deux azali pareil étatique donc il est sorti puisqu'il a une mission bah parce qu'il est missionné à ça la makambu ya mabé mikole koyaka. Donc un système à casse pour l'abattement hein, tout ça pesanti toye bah pourquoi bah bimissier pourquoi bobo donc il y a institution politique, politique-politicienne, donc entre guillemets politique, proprement dite, et puis institution politique, donc politique-étatique, proprement dite, et puis politique para-étatique. Donc, oh, l'État bendakapé, mais ni pour le passer les missions. Donc, voilà, Bakulouna, ils ont para-étatique, bah, milice Bakulouna, para-étatique, naba égorgeur, oh, bazoza, naba. Naba Sud Kivu Nord Kivu ezali para étatique l'État azali mais azako ben na bango ba sele musala ya mabe donc voilà et puis tongo souk sa siko ezali na dossier ya Adolphe Muzitu ancien premier ministre à côté qui azali membre ya majorité présidentielle à côté qui dialogue wana mais aboyi ko signé et pourquoi boyi ko signé aboko signé parce que alobi bien la date de la présidentielle est irréaliste par rapport à la motivation. Et puis, aboyi glissement. Donc, date wana irréaliste. Donc, ils vont permettre glissement. Ya kaname, ya boyango. A critiquer arrêt à cour constitutionnel. Et ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est quoi? C'est le point de vue économique d'un spécialiste en la matière en tant qu'ancien premier ministre et en tant que surtout ancien ministre du budget. Aujourd'hui, bien sûr, il est député national, mais il a donné son point de vue du dialogue sur ce plan-là. C'est là où je suis vraiment flatté. Il dit ceci, le financement du processus électoral se fera essentiellement par la planche à billets, car le recours à un financement a été rejeté par le gouvernement. Le coût social de la création monétaire étant élevé pour les gains petits, l'ancien premier ministre et ancien ministre du budget a refusé d'apposer sa signature sur le document final. Puisque ce qui babi baïa basala l'élection, puisque mbong ezate ba rejeté ba financement moussous extérieur etc. ba recourir na planche à billets. Et ce ba recourir na planche à billets, nous c'est qu'on retombe na mitou ya population qu'on souffre sous mingi. Lui étant que spécialiste en la matière, à côté puisque sa famille politique n'est pas boya en côté à Koti, Matali, Aboyi. Et Bisso Shikoyo, c'est là où je vais chiter, Bisso Peuple Mokonzi. Puisque nous sommes fervents vraiment, n'est-ce pas, il y a bah, données politiques, il y a bah, récolte de bah, données politiques, et puis qu'on décortique en gros, équipe de Bisso. Et on avait jugé bon, n'époque, tout en bas, ancien premier ministre, ministre budget, Muzitu. Bandeko Mingi, Bamounaki Mabe, c'est l'air droit. Mais le loyo, Nathan, on a peut-être dit, c'est Binoke. Bokeba bandeko puisque Muzitu wana bozomona nazo kote lete nazamu ta parti na ete ezali ba fe ebimi ezali international obeti bokomona pourquoi il a refusé lui-même à sa tribune et à sa laka à lobiango pe mona tchepe lobiango donc ancien premier ministre Muzitu
aboyi biso to koloba lelo en tant que bata peuple mokonzi puisqu'il y a eu incompréhension et aujourd'hui avec le temps parle et le temps nous a donné raison. C'est-à-dire on avait déjà su puisque to suivre kaba évolution politique ya Congo na ba aspect nyonso et sa bata majorité présidentielle bati opposition to landela ka makamwana tout et en son temps déjà on avait compris na ba ndeko lokwa ba Edi Bolombo ba Boketchua yambo ba komanda eso ba Gabriel Katako ba Ipo Aiza ba Kokwa Luozi donc ba papa Tom ba papa Kabamba donc ba pasteur Ladiza donc ba te belé tous ala ki wana donc biso ba tapepe mon tout mona ki déjà que Adolphe Muzitu azana palou ba suspendre yena palou pourquoi puisque la côte ki idéologie asika ou courant moko nouveau il y a na palou pour la marmé marché ba yo kanité na patriarche kizenga pardon patriarche kizenga a suspendre siko lelo yo azar na majorité présidentielle aboya ki ngou pété lor ya tant to invité ki est a expliquer ki ezana vidéo lelo yo a côté ki dialogue mais na souka nango aboyi ko signé donc est concerné été voilà un peu maram to loba ça dit tant baninga bazako sala makambu bozala nanu kimia boye bako landela boye ba est-ce que baninga bazosa masolo oyo totalement maram na bon to réfléchir to tcha passion té to tcha émotion té to réfléchir est-ce que bazana nzela ou pas muto bon ba yambi position na lelo ezali nini et lelo yo azana majorité mais aboko signé est-ce que azana majorité question la poser bino mwana ba tuminga majorité pe bazaku kuna pe balingi majorité té Maka mingi pe bisho toza ko joa lelo yo mingi pe ezali ko wuta kaka na kati kuna Kabila azo ke ne Vatican ba yim sibino ke yo Kabila beti massage pona ko sala nini ko distrait ba peuple congolais message boye place wuta ki wa ya mba bengi nga ya bi Christian Bola Biama mamba peuple mukonzi nde ko yo za kana video na yo ozana RTNC tindika tala message yango tindika yango tindika yango parce que soki toza siko na ero soko to sali yango te lobby kanambe azana Rome bwaka yango et na bwaki lo seba et voilà information utaki wapi yepe ba pesa ki na batuka na majorité donc pour vous dire que toza ko travailler d'arrache pied toza ko travailler na batu o bazo pesa so ba information donc makam mingi to ko lo bate donc na suki wana to sengi na batu nyo tout ingeta bolingo boboto et tout na kat na biso donc tozali ensemble to kende na rassemblement des ali voix oyo ezali ko libérer Congo na yango na sukwana na lobby merci bola na vidéo malamu bo kabola yango bola na vidéo malamu bo kabola yango na lobby merci.